Ah, enfin t'es là. C'est pas trop tôt, hein. Fallait me dire qu'on avait le droit d'arriver en retard. Je me serais pas gênée, hein. Parce que là, je te jure, je suis à deux doigts de me tirer une balle. Papa, de ma vie, j'ai jamais vu un spectacle aussi lamentable. Mon Dieu, que c'est nul. Non mais t'as vu Juliette avec sa robe, avec ses froufrous, là? Mais même Lady Gaga, elle aurait pas osé, quoi. Ah, y a rien à faire, hein. Elle est minable, la costumière. Maman, la couture, c'est vraiment pas son truc. C'est vraiment con qu'elle en ait fait son métier, tu trouves pas? Hop, hop. Ne dis rien, hein, de toute manière, je sais ce que tu vas me dire, tu la défends toujours, voilà. Oh, et les comédiens. Non, c'est ça le pire. Tu vois le Roméo, là? C'est typiquement le genre d'acteur qui a eu le rôle grâce à son physique. Parce que Roméo, c'est un personnage complexe. Et je suis sûre que le beau gosse, là, il a pas pris 5 minutes pour faire un travail d'introspection pour le saisir. Non, il a une bonne bouille, alors ça suffit. Pas grave si zozote. Oh, parle encore, lumineuse ange, car tu es si glorieuse à cette nuit, te tenant par-dessus ma tête. Super. Avec un zozotement pareil, il est plutôt bon pour le 100 mètres. Enfin, au moins, lui, il connaît son texte. Bah, excuse-moi, j'ai pas le souvenir que Juliette commence toutes ses répliques par J'ai raison ou j'ai pas raison? Ouais, c'est ça, fais la sourde oreille. En même temps, c'est pas surprenant. Telle mère, telle fille. Ma mère n'a aucun talent, je vois pas pourquoi ma sœur en aurait. Mais excuse-moi, je vais pas mentir, c'est le pire spectacle de CE2 que j'ai jamais vu. Voilà. Moi, à 8 ans, jamais je t'aurais présenté une poubelle pareille. J'ai raison? Qui ne dit mot consent, merci papa, enfin un peu de soutien. Oh, rideau. Oh. Enfin, regarde, t'as vu ça, hein. Les gens applaudissent. Quelle bande d'hypocrites. Franchement, t'as trouvé ça comment, toi? Bruyant. Oh, oh bah, excusez-moi, en fait, c'est idiot. Je croyais que c'était mon père. Mais en même temps, tant mieux pour lui, il a échappé aux deux plus longues heures de toute l'histoire de l'humanité. C'est vrai, je sais pas qui a mis en scène cette horreur, mais on devrait l'exécuter jusqu'à ce que mort s'en suive. Et moi? Et Roméo? C'est mon fils. Bravo! Non, c'était bien, monsieur! C'était bien, monsieur! Bravo!